Bon matin tout le monde, aujourd'hui je vous emmène dans ma journée d'entraînement mais surtout dans ma journée de nutrition. Vous avez été beaucoup à me demander de partager avec vous ce que je mangeais, donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer au final tout ce que je vais manger dans la journée. Et là, il est 6h30 du matin, je vais commencer mon premier entraînement de la journée et la seule chose que je prends avant cet entraînement en général, vu qu'il est assez court, une heure seulement, c'est un café et un petit peu de boisson avec des électrolytes sur le vélo, mais je prends rien d'autre avant quand c'est un entraînement peu intense comme je vais faire ce matin. Pas besoin de se charger, on peut y aller à jeun. Par contre, évidemment, si j'avais fait de l'intensité dans mon entraînement ce matin, j'aurais pris un petit peu de protéines avant pour éviter d'aller manger le muscle pendant l'entraînement. Ce qu'on veut, c'est aller brûler les graisses, mais on ne veut pas aller brûler notre muscle, évidemment. Allez, c'est parti, on se fait notre petite heure de vélo en endurance et après, on aura le droit d'aller déjeuner. En 5 minutes de récup maintenant et après c'est parti pour le déjeuner parce qu'il fait faim quand même hein. Ok, maintenant on est rendu dans la cuisine et je vais vous montrer la partie qui vous intéresse le plus évidemment si vous regardez cette vidéo, qu'est-ce que je mange. Et le matin, au final c'est tous les matins la même chose tant que j'ai ce qu'il faut pour le faire. C'est assez simple, je vous en ai déjà parlé, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc ici vous avez une bonne partie de ce que je vais manger: 2 œufs, un peu d'épinards, du pain intégral, tranche de cheddar et le pain, je le fais griller. Ça, c'est de l'eau. Mes œufs, je vais les faire chauffer dans de l'eau et pas dans de l'huile pour que ça reste meilleur pour la santé. En final, c'est un petit peu comme des œufs au plat, un mix d'œufs au plat et d'œufs pochés. Là, je suis en train de mettre du poivre, du curcuma sur mes épinards parce que c'est très bon pour la santé. Un petit peu de sel pour donner du goût. Bon, alors là, c'est le moment fatidique où on essaye de ne pas casser les jaunes. Et voilà, après, il n'y a plus qu'à déguster. Bon appétit. Je sais que pour beaucoup, les épinards au petit-déj, c'est pas une option, c'est quelque chose que j'ai rajouté petit à petit dans mon alimentation et maintenant ça passe tout seul, c'est devenu une habitude et voilà, c'est vide. Mais il y a un petit disclaimer quand même, je suis un triathlète donc je ne suis pas quelqu'un de normal, je m'arrête pas là à ce petit déj, j'ai encore faim après tout ça. Après tout ça, on continue donc les festivités avec une tranche de pain et un peu de beurre d'amande ou de beurre d'arachide. Il est midi, on est de retour dans la cuisine et je vais pas vous mentir sur le type de repas qu'on fait régulièrement le midi. C'est pas un repas où on passe énormément de temps à préparer, donc ça va être un grand classique, des spaghettis. Ça pourra en surprendre certains de voir que j'ai absolument pas mesuré la quantité que je mettais dans la casserole, mais c'est parce qu'en général, si nous en reste, on garde ça tout simplement au frigo pour un autre repas, donc il n'y a jamais de perte de ce côté-là. Et on ne s'oblige pas à finir la gamelle, même s'il en reste dedans. Spaghetti ne veut pas dire qu'on va faire quelque chose de super simple avec juste du beurre dedans et rien d'autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même faire une petite sauce avec ça, avec quelques légumes, oignons, poivrons, tomates, un peu de brocoli, un peu de sauce tomate par-dessus ça, des épices. Et hop, on est bon pour manger après ça. On fait cuire tout ça avec un petit peu d'huile de coco. Évidemment, des pâtes sans parmesan, ça serait pas des pâtes. C'est un mariage incroyable. Bon appétit, bien sûr. Et en dessert, on a simplement un peu de yaourt grec avec du sirop d'érable. Évidemment, on utilise ça à la place du sucre. Ok, c'est bon pour moi. Ok. On est bon, on est bon. Dans tous ceux qu'on a qui...
Il est 6h30, cette fois 6h30 du soir, et on se retrouve pour le deuxième entraînement de la journée, qui va être une session de course à pied qui est censée durer une heure sur le tapis. Allez, on est parti. Hop, on démarre ça à 11,3 km/h. Et on est parti pour une heure si tout va bien. Et voilà. Échauffement terminé, je fais 3 km, maintenant je passe à la séance et j'ai 2 km d'allure marathon et ensuite 3 fois un bloc de 1:30 allure marathon, 3 minutes un petit peu au-dessus de l'allure semi-marathon, donc au seuil au final, et 1 minute 30 allure semi-marathon. C'est quand même une belle séance en termes de volume, surtout sur le tapis où ça chauffe pas mal en général en fin de séance. Donc j'ai préparé le coup, j'ai retiré le t-shirt, j'ai mis les ventilos. Je suis prêt à me donner sur cette séance pour essayer d'aller au bout et de bien la réussir. Allez, c'est la moitié de la séance de fête. Motivation est toujours pas là, mais les jambes tournent bien, donc au moins c'est déjà ça. Maintenant, je vais vous retrouver à la cuisine et on va aller faire le repas de ce soir. Ça va être du chili con carne. Sinon, on a un gros rôti ici. Ah non, ah, apparemment, il veut pas être mangé. Non, mais vous rigolez ? Non, écoutez, non, ça fait une heure que j'attends qu'une chose retourne au plus mar. Mais vous y êtes dit au plus mar, c'est vous qui êtes descendu. Mais je suis pas descendu pour voir quel serviteur en train de se tripoter au milieu des jambons. Et le petit bonus de fin de journée, le petit plaisir du soir, le carré de chocolat. Ou les deux carrés de chocolat, ça dépend des soirs. Et voilà, c'est sur ça que je vais clore cette journée où je vous ai montré tout ce que j'ai mangé. J'espère que ça vous a plu. Au final, il n'y a rien de compliqué. C'est pas la même chose que je mange tous les jours, mais je mange souvent les mêmes plats. Pourtant, c'est quand même équilibré, sans être hyper santé à 100%, c'est assez équilibré pour donner les bonnes choses pour bien s'entraîner derrière, parce que la nutrition, c'est à la base de l'entraînement.